première partie contre un 1Q. On a blanc forcément avec 0,5 de commis. Donc on va voir ce qu'il va jouer. Il joue un Oshi, ok. On joue un Komoku. Mais d'autres fois on répondait, là je crois que les derniers streams on répondait quasiment toujours des Oshi également. Donc on va être... on va changer un peu. Il fait un Takamoku, intéressant. Du coup il investit sur ce board, sont nous... sur ce, nous c'est troisième ligne, c'est sur ce board plutôt. C'est pas grave. Est-ce qu'on approche direct son coin? Ça aurait été intéressant de pouvoir faire un Shimari directement. Parce que ça contre un peu sa pierre ici. C'est vers là qu'il regarde. Mais bon, on va prendre d'abord l'autre coin, parce que s'il en prend 3, c'est un peu dérangeant quand même. Ici... ici, ça semble bien. Konbawa, Ogenki, Deka. Deska. Ogenki, ça veut dire quoi déjà la fin? Ça va? J'ai plus. Ici, il vient comme ça. D'accord. Je sais pas si je pense ou pas. Si je pince, il peut contre-pincer et jouer un peu son bord. Donc si je pince, il faudrait que je passe un peu plus large. À la rigueur, en hauteur. De toute manière, je suis quatrième ligne ici, donc jouer une quatrième ligne là n'est pas déconnant. Par rapport à ce bord-là, hein. 1, 2, 3, 4. Ou alors, je m'installe sur le bord nord parce que je trouve ça intéressant. Et si je viens ici après, c'est pas mal. On peut faire ça aussi, tout simplement. Il restera de la place, il peut pas fermer ce bord en un coup. En plus, il joue plat. Je pensais qu'il jouerait quatrième ligne pour développer du potentiel ici. Là, c'est un peu dommage. Comment vas-tu? C'est ok, ça roule. Et ici, soit je veux développer ce bord-là. Ce qui peut être intéressant parce que c'est le bord le plus large. Ah, une intersection près, hein, même deux peut-être. Ou alors je joue par ici pour développer ce bord auquel j'ai déjà rajouté une pierre. Les deux strats se valent, je pense. Honnêtement, je suis plus attiré par ce bord, c'est bord large. Donc on va jouer là. Salut! Oula! Big Frumius Monster, salut à toi, bienvenue. Et il joue ici, ok. Donc là, il menace quand même une zone qui est assez importante. On va plonger à l'intérieur, je pense, parce que là, s'il prend le coin, ça fait comme s'il avait un Shimari et extension de chaque côté, ce qu'on essaye de refuser souvent, en fait. Donc on va venir prendre le coin, je pense que c'est le timing, on n'a pas de groupe instable. Il n'est pas venu en M3, ce qui serait très proche de nos pierres. Il est un tout petit peu plus loin, donc les coups Q3, tout ça, sont un peu moins dangereux pour le blanc. Donc on vient en Satan. Les Takamoku, l'approche la plus simple, il y a plusieurs approches, mais l'attaque la plus simple, c'est de venir au Satan. Comme pour les Mokoazuchi d'ailleurs, hein, s'il avait joué en C5. Ici, je crois que c'est... la bonne réponse, c'est E3. Pourquoi? Parce que s'il descend, on va au milieu, et qu'il fasse atterrir d'un côté ou de l'autre, ça va vachement nous renforcer, et on va prendre une bonne force, soit sur le... un gros coin, soit une bonne force sur l'extérieur, donc ça l'embêtera. Donc il remonte, il connecte, et nous on va au-dessous. Et en fait il nous donne un Punu qui soit dans le coin, en coupant, soit sur l'extérieur. Ici il préférerait dans le coin, pourquoi? Parce que sinon ça, en plus de donner un Punu qui soit extérieur, ça isolerait cette pierre. Donc normalement je vais finir avec un gros coin, en pouvant glisser par là, je pense. Ça devrait être ça la séquence. Donc là, on coupe du côté, voilà, qu'on ne veut pas, c'est bien. Je viens là, il pouvait prendre la pierre en chicho, je pense que c'était un peu mieux. Et nous, on vient glisser de ce côté, parce que P4 de sa part, ça serait embêtant. Ouais. Ça serait santé, parce que s'il rajoute B3, ben, il peut tuer notre coin. Et en plus, ça fermerait le bord. Donc, il y a plusieurs raisons pour jouer ça. Il vient là. Ah oui,
Bon. Intéressant, 3. Ouais. Ouais, c'est un coup, il faut connaître, quoi. Il faut savoir. Normalement, blanc s'en sort à tous les coups. Ouais. C'est pour ça que normalement, on joue pas D3 avec noir. On fait plutôt un Kema, justement, en E3. Il aurait fait de l'influence de ce côté, ouais. Ici, si je vais prendre la pierre, il pourra la sacrifier. Et le temps que je capture, il pourra jouer là. Et je suis mort. Donc, je suis obligé de soit de reculer en B4, soit de monter. Je pense que je vais monter, parce que même s'il monte et que je coupe, il n'a pas de moyen de me tuer. Tac, je vais là, il connecte, tac, on pousse. On fait tout petit, mais au moins on aura coupé. Alors que si je recule ici, il monte, il n'y a pas de coupe possible. Il y a un Kosumi, aucun des deux côtés des prix. Donc c'est trop costaud. Il faut que je réagisse un peu. En plus, on a cette pierre en Agi. Donc c'est intéressant, je trouve. Ici, il est plat, c'est loin. C'est intéressant. C'est ça en fait le problème, c'est qu'il doit revenir rajouter un coup maintenant. Ça c'est un peu embêtant quoi. Salut Gabouche, ça va? Donc là blanc est plutôt content. A voir si je fais ça. Ou directement ça. Le problème c'est qu'il a cette liberté. Donc si je fais ça, qu'il pousse ici, je vais là. Je n'ai pas les menaces à sortir ici. Merci pour le soutien Fed, je sais pas pourquoi il y a deux fois. Merci pour l'abonnement. Pour 3 mois. Oh merci hein. Merci, merci. Eh ben t'es chaud. Mais attention au temps. Oui, attention au temps, pardon. C'est vrai que là j'ai pas le son, là j'ai pas voulu mettre le casque, vous avez le son, mais moi j'ai pas. Pas voulu mettre aujourd'hui. Bon on va faire ça. Pourquoi? C'est un peu moins agressif, mais il est vachement écrasé. Et à la base, il a fait un Takamoku pour développer ce bord. Donc, rien que si on prend le côté logique, il en manque. En plus, on a potentiellement 3 coins pour l'instant. On est plus proche que lui d'en avoir. Et on doit s'occuper de ces deux pierres. Donc, normalement, je pense qu'on coupe. On pousse, ce qu'il ne peut pas faire à nez. Donc, on pousse une fois. Merci beaucoup, hein, Fed. C'est très gentil de ta part. Et là, le Kema, s'il pousse, je vais là, il coupe, tac, il va ici. Le Kema ne marche pas forcément. Le Kema ne marche pas forcément. On va d'abord s'appuyer ici. Pour que ça ne soit pas un Geta, aussi il coupe, mais un Shisho. Voilà. Et là, je peux sortir un Geta. Parce que maintenant, s'il coupe, je vais là, il coupe. Je vais ici, il va là, je vais là, il va là, tac, et il y a la pierre sur le chemin. Donc, il y a le Shisho. Est-ce que je dois rajouter un coup tout de suite? Je ne pense pas. Cette pierre sert qu'à ça, ça sert à rien de donner plus. Donc, on sort là. On va jouer léger. D'accord, il est agressif. On va ici. Ouais, c'est pas... Il l'avait cette pierre de toute manière. Donc je suis pas sûr que ce soit très bon pour lui. Parce que plus tard, on ne sait pas comment serait passée la partie, il avait quand même... justement, il pouvait jouer F8. Et je devais connecter. Et selon comment se passait le reste des situations sur le Goban, ça pouvait empêcher de faire des yeux et tout. Ici, là, je suis beaucoup plus flexible. Je suis sûr d'être connecté, j'ai plus besoin de regarder ça. Donc c'est trop tôt, en fait. C'est trop tôt. D'ailleurs, on va sortir, je pense. On va sortir rien qu'un coup comme ça. J'ai l'impression que ça commence à connecter un peu tout le mur ici. C'est plutôt agréable. Même si on a envie de venir Satsan, quelque chose du genre pour l'instant, il vaut mieux s'occuper de son groupe, même si ça semble lent. On n'aura pas à revenir sur ça plus tard dans la partie. Et encore une fois, pour le moment, on n'est pas en retard en point. On est bien. Alors, il fait la forme de la fleur, ces 3 pierres là, c'est appelé comme ça. Par contre, attention, parce que il va vite y avoir des petits problèmes. Ici, c'est un Niken Tobi quand même. Là, ça va pas défendre. Kema, tout ça, ça se coupe. Si je vais ici, il va là, je vais là, il est coupé. Parce qu'il peut pas aller ici. Quand je vais en D13, il peut pas aller ici parce que je coupe. Et il doit s'occuper des deux côtés.
Donc très étrange hein, son E14. Ok. Ok. Bon ici c'est solide. Hein. C'est pas vraiment un problème pour... pour blanc. On sort en fait. Mais ici il reste de la J. Deux pierres, on se demande à quoi elles servent maintenant. Ça, ça risque pas trop. Hein. Il y a B17 ou H17 par exemple qui sont mi high, c'est équivalent. Si l'un prend l'un, l'autre prend l'autre. Typiquement. Je peux même aller en B16. Non. Parce qu'il descend et après je dois rajouter un coup. Par contre, on peut couper tout simplement aussi. Oui, on peut couper complètement. S'il force à l'intérieur. Tac, il coupe, on monte. On peut même s'appuyer ici, on va rester solide pour le moment. Mais j'ai l'impression que là ça a été c'était trop loin même son G17. C'était plus H17, un peu plus loin. Parce que là. Il commence à se faire attaquer hein, quand même. Ici on le pousse vers ici, en fait, pour forcer la coupe et qu'il fasse un choix. Oui non. En plus, ça aide un peu mon groupe. Kema. Nous aussi on fait la petite forme de la fleur. Hein. Et... Ah c'est compliqué hein, pour lui. On va d'abord renforcer comme ça j'imagine. Si on renforce ici, qui rajoute son coup, on peut jouer là, il se renforce. On continue, il continue, on continue, il continue, parce qu'il faut bien vivre. Hein. Et ensuite on joue là. Ça commence à être bien entouré tout ça. Hein. Ce groupe il respire encore pas mal, il y a plein d'espace ici. Il devra ajouter un coup de toute manière, donc je descends ici, c'est immense je pense. Tu as perdu une période de BMI. Ah non. Ah oui, il faut que je fasse attention. Peut-être que ça j'aurais dû mettre le son quand même. Je vais peut-être changer le... Ouais, je vais peut-être remettre mon casque après. C'est vrai que ça c'est dangereux. Donc il prend, il sera vivant très certainement. Mais on a pris gros et on est SNT. Franchement, on n'est pas mécontent. On va se renforcer de ce côté. Et en plus, ça réduit un peu le potentiel qu'il avait avec son groupe. Donc c'est la bonne direction, je pense. Non mais t'as raison de me dire, hein, Big Frimius. Faut que je fasse attention. Il est super agressif. Si je connecte, c'est un peu gentil. On va connecter. Ici, plutôt. Et si je connecte maintenant là, s'il vient là, je peux aller ici. S'il coupe, faire Atari. Ah, c'est un peu dangereux. Peut-être un peu dangereux. Tac. 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 On va connecter. Hein. C'est un peu dangereux. Là, on a perdu une période. Il revient, ok, je sais pas pourquoi il continue pas à attaquer du coup, bizarre. Il vient quand même essayer de sécuriser un coin. Il aurait dû faire le petit Shimari du coup, je pense. Moi je vais jouer sur le dernier bord large. Pourquoi? Parce que cette forme là et cette forme là, c'est des Shimari. Qui regardent dans cette direction, on voit. Donc le premier qui joue au milieu, est satisfait. En plus c'était le dernier gros bord, le dernier gros endroit où il y a pas mal de points. Oui, il prend le coin, mais bon, ici, il y a autant de points, par exemple. Et en plus, cette pierre aide à la sortie de ça. Donc moi, je vais connecter ici, déjà. Très solide. Ça menace le Hané ici, par exemple, qui écrase complètement dans sa forme. Voilà, il n'est pas en vie. Et on est sûr de sortir maintenant. Donc on peut venir un peu plus loin, par exemple. Ou venir ici. Ou prendre le coin. Il y a pas mal de choix maintenant pour blanc. Hmm.
On va jouer ici. Ah, j'ai perdu une période. Pourquoi ? Parce que ça menace à la fois de couper cette pierre et qu'elle soit un peu attaquée. Et en même temps, il y a quelque chose à développer ici, on voit quand même. Il y a du potentiel. Et là, on va jouer tout simplement comme ça, je pense. S'il fait année, on coupe. Ok, il fait ça. Du coup, on recule gentiment. Ok, c'est pas un problème. Quand on vous fait un coup sur la deuxième ligne comme ça, très souvent, hein, vous répondez. 99% des cas. Et il attaque. Je suis content parce qu'en fait, dans mon plan de prendre ça, je me disais, ouais, mais peut-être que ce sera au prix du coin. Voilà, il me dit clairement, non, non, garde-le ton coin, ça va aller. Ça aurait été beaucoup plus facile pour lui de vivre dans le coin que de vivre dans ça. Hein. On va retirer la base de vie. Et on va sortir. Kema pour attaquer. Et là, la vie, elle est compliquée. Hein. Il faut faire attention à ces pierres-là, bien sûr. Mais à tout moment, je peux capturer ici. Tac, 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 il n'a plus que de liberté. Donc, il faut penser à couper ici. Obi, c'est solide. Ça a l'air suffisant. Ici, il peut faire le hané, mais on fait ça. Ouais, c'est compliqué. Hein. On pousse. Ok, il rajoute son coup ici. Ok. Dans ce cas, je vais faire ça. Ça semble très gros. Parce qu'ici, il pouvait me chercher des petites emmerdes. Alors que maintenant, même s'il vient là, s'il pousse ici, je vais là. On est connecté de ce côté. Quand il coupe, on prend la pierre en chichot. Jusqu'à cette pierre. Donc tout est connecté. Et maintenant, je peux revenir ici. Par exemple, comme ça. Et là, je vois pas comment il vit. Et c'est quasi un quart de goblin, quoi. On fait la forme. Ok. Oh! Ah, j'ai été gentil, là. Aïe, aïe, aïe. Je fais souvent des bêtises, quand même. Ah, il est vivant. Voilà, il m'a montré comment il vivait. Aïe, aïe, aïe. C'est nul. C'est dramatique, du coup, j'ai plus aucun point. Du coup, on va jouer par là, j'imagine. Ah, j'ai perdu la période et j'ai joué une seconde. Zut. Zut, zut, zut. Ah, c'est dramatique. Cela dit, oui, clairement, hein, c'est... Mais ouais. Du coup, j'ai été trop gentil dans mes coups. J'ai été sûrement trop gentil. J'aurais dû jouer à l'intérieur comme un bourrin et dire t'as pas assez d'espace. On regardera ça à la fin. Ici, voilà, j'ai pas beaucoup de points à développer ici. On va plutôt aller prendre d'autres gros points. Alors ça semble immense parce que finalement, on est quasiment à du... Je sais. Bon, on va essayer de pas tomber à une période. Donc ça c'est immense, mais... On va venir par là également. Et ici. Trop gentil, oui. Voilà, j'ai été trop gentil. Oui. Par contre, ce groupe, il est... Pas très solide non plus. Après, les espaces ne sont pas fermés non plus. Hein. Donc il vient par là. D'accord. On va d'abord aller ici. C'est solide. Ce qui nous donne ce genre de coup. Parce qu'on manque de pierres dans cette zone. Et ici, en vrai, ben, de toute façon, on a dit qu'il pouvait pas trop couper là. S'il nous coupe ça, c'est pas trop grave. Donc on va juste... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va renforcer par là. Continuer l'enfermement. Pour l'instant, il n'y a pas d'œil sur. S'il joue ça, ça fait un œil, mais c'est goté. Ok. Si je fais atterrir ici,
fais atterrillage, capture, il doit connecter. Non, c'est pas bon. On va jouer là. Faut que je tue ça, hein, par contre, là, cette fois. Faire attention. Par contre, lui, il reste 5 minutes sur 10. Zut. Là, on va reculer. Et je... Comme ça, je me dis, là, c'est cette pierre qui veut, clairement, pour faire un œil ici et un œil là. Dans ma logique, ça serait... S'il fait un œil là, c'est pas... En fait, ça devrait être mi-eye. Si j'ai un... S'il a l'un, j'ai l'autre. Après, là, je peux jouer ici. S'il coupe, j'ai double taille, là. Donc, c'est un faux œil. Et c'est des faux yeux partout, en fait. Ne pas faire de bêtises. On peut aller ici. On peut pas faire le année, il est obligé de faire le... Ce coup-là, je vais là, il va là, je vais là. S'il va là, on fait Atari. Mais il peut aller là. Zut. On va faire ça. Ça a l'air de marcher, non? En général, on dit qu'il faut pas trop toucher quand on attaque, mais pas toujours évident. Il va ici, je vais là. C'est pour pas perdre trop de liberté sur ce groupe. S'il va là, en vrai... Pareil, on pourra faire l'Atari. Salut The Look. Comment ça va? Et ici... Reculer tout simplement, non? Si on fait Atari, en fait, ça nous retire nous-mêmes des libertés. Donc on recule, on essaie de rester connecté sur toutes nos pierres. Et ça devrait aller. Ok. On va menacer d'entrer ici. Du coup, il vient là. On descend. Compliqué, hein. Ouh. Il vient ici. Et dans ce cas, on joue ce coup. Ce qui fait un faux œil, encore une fois. Du coup, on va là. Pas très beau. C'est un bel angle vide, mais c'est pour que je ne pas ici. Il descend. On va juste faire le... Ça donne envie le Hané, mais... Peut-être que ça marche, mais là, j'ai plus pas beaucoup de temps pour réfléchir. Donc on va jouer T13 pour garder le plus de liberté possible. Mais il faudra qu'il revienne en P17 à un moment, et là, c'est trop dangereux. Ouais, ça chasse fort, ouais. C'est clair. Ça semble compliqué pour lui, livre. Là, ça a l'air connecté un peu partout, quand même. Beaucoup de Kozumi. En fait, s'il joue P17, je viens connecter avec un coup assez lent ici. Mais je dois me méfier des coupes. On sait pas trop ce qui peut se passer à la G. Atari sur Atari. Ok, bon, ici on fait juste Nobi. Attention. Non, on va jouer là. Parce qu'il veut tout couper. Et là, s'il force ici, on va là. S'il force ici, on fait Atari, tac, tac. S'il fait Atari ici, on va là. Il peut couper. Ah non, j'avais créé Victor Truid. Non, là, je me suis fait avoir, non. Parce que là, je dois connecter. Oh, j'ai plus de temps. Et il peut couper. Tac, tac. Ah, j'aurais pas dû faire le Hané ici.
J'aurais pas dû faire le année. Ouais, derrière période. Faut que je remette le casque. Faut que je remette le casque. Et c'était fort la musique, je trouvais. Vous entendez, vous, le son de KGS? Ah, c'est assez fort la musique, hein. Pas pour vous? Si? On va baisser alors. Attends. Tac. Voilà. Vous entendez toujours ou pas la musique? Je sais même pas au fait. Mais... oui, il a du temps pour lire, mais en vrai. Bah, c'est de l'Atari déjà, je dois répondre. Après. En vrai. Même s'il fait Atari. Et qu'il me coupe d'une manière ou d'une autre. On a. Ah, d'accord, il vous coupe encore. Il estime que s'il fait ça. Ça va aller. Bah, non, parce qu'il y a cet Atari. Puis je joue là. Je peux même couper ici en fait. Non, non, non. Non, je peux pas couper ici. S'il va là, je fais Atari ici. Il va ici, je vais là, et c'est la merde pour lui. Ok. S'il coupe ici, je vais là. Et quand il coupe, peu importe, parce que si je joue F10, j'ai deux yeux. Je pense. Le volume de la musique est très faible par rapport à celle de ta voix. Ah ouais? Ah oui, c'est ça que je demandais en fait, ouais. Ok. Je augmente un peu alors. Qu'est-ce que je n'aurais pas vu? J'ai l'impression que je suis quand même vachement compliqué la tâche. Reculer. Fais l'Atari. Ok, non, il va là. C'est pas grave. Ok. Et nous, on revient vivre comme ça, j'ai l'impression. Tac, tac. J'ai l'impression que ça fait vivre. Parce que même s'il pousse ici, tac, il faudra empêcher l'œil ici, il doit aller là. Et nous, on peut pousser là, du coup. Ouais, je sais pas. Si, j'ai l'impression. Oui, mais là on fait ça. Et même s'il va là, on va là. Il va là, on va là. Ça marche pas son truc, ça. Ça ne marche pas. Je vous rassure, ça, on avait lu avec l'Atari, hein, que ça, il pouvait pas sortir sa pierre. Qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là. Je viens de faire l'idiot là. Enfin au pire je sacrifie ça et je prends ça, mais... Bon déjà on va rejouer ça, mais je viens de jouer un truc risqué là. Alors comme je joue le coup. Mais au pire je pourrais jouer en Q13, c'est suffisant si on tue le centre, mais... Mais il peut y venir en premier, ouais.
Aïe aïe aïe, on a joué l'idiot. Aïe, il a sa stataille. Aïe aïe aïe, la galère. Ah, quelle galère. On a fait le con encore. Aïe 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 aïe. Ah, mais il peut couper là. Donc on doit connecter là. Il y a recapture ici. Bon, on est obligé, hein. Et de toute façon, j'ai plus de temps pour réfléchir. Ah, il est vivant. GG. GG, GG. Ah, il peut prendre tout en plus. Oh là là, c'est immense. Je vais perdre cette partie. Bon, déjà, on peut couper ici. C'est pas grave s'il prend le snapback. Hein. C'est plus gros de prendre ça et de filer dans le coin s'il prend le snapback. Peu de renversement. Hein. Attention à ce qu'il soit pas trop gourmand non plus. T'es trop gentil. Aïe 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 aïe. C'est le stream ça, c'est difficile de jouer de content toi. Oui, ouais, ça on dit souvent, ouais, mais. Ouais, ça peut pas être une excuse tout le temps, mais bon. Je suis parco ici, non? Ah bah non, pas du tout. Oh là 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 là, c'est la cata! C'est la catastrophe! Ah. Il vit partout! C'est horrible! Bah oui, ouais, il va gagner plein de coups. Bah, il peut pousser jusqu'au bout, en fait, un peu. Quelle galère. C'était mort, ça. Sérieux, ça? Faudra qu'on revoie. Aïe aïe aïe. Au 18 ne marche pas. Hein. Si je fais au 18, il capture. Je fais P19, mais il revient. Et il y a un œil là, un œil là. Il est vivant des deux côtés. S'il pousse là, on va là. S'il fait ça, on va là. Est-ce qu'il n'y a pas plus gros? Genre, on a joué par là. On va prendre les SNT. Hein. C'est gros, hein, mais. Faut essayer de rattraper ça. Ça, ça va être gros aussi par là. Ça va être très gros rapidement. Aussi c'est gros. Il s'en fout, ok. Oui.
Voilà, c'est gros, oui. Ça vaut quand même une petite dizaine de points. Salut, Valère... comment on dit ? Valère Clavier. Valère Claverie. Je sais pas. Salut à toi, bienvenue. Si on va reculer, oui. Faut vivre. Souvent, dans des situations comme ça, c'est les points 1, 2 qui donnent la vie, celui-là ou celui-là. Très souvent. Il revient ici pour attaquer, on va protéger là. Oui, il peut mettre Atari, mais bon. Ouais, ça c'est très gros. C'est très gros. Ok. Si je vais ici et qu'il coupe, je vais là. Il monte, mais on va ici. Il a un peu trop de liberté. Pas facile. Franchement, pas facile du tout. Donc il joue là, on vient ici. Et il coupe comme ça, ok. Dans ce cas-là, on peut avancer jusqu'ici. Je capture juste la pierre, je pense. En fait, c'est pas si fou, parce qu'il peut aller là. Donc c'est vraiment même mauvais, je pense, ce que j'ai fait. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est mauvais. Ah là 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 là. Je suis débutant, je joue sur OGS en 13-13 pseudo Valère. Ok, d'accord. Bienvenue à toi. Si t'as des questions, n'hésite pas. Ah bah c'est gros, hein. C'est très gros. Je suis pas sûr de la tenir encore cette partie, j'ai pas compté, mais... Parce qu'en soi, il a pas des très grosses zones de points, mais... Oh, c'est ici, ici. Qu'est-ce que je raconte? C'est gros, ça. Blanc, les 4 coins, en quelque sorte. Mais bon, on s'est fait malmener, hein. Il a beaucoup de santé. Voici, il pousse, on capture. Ah oui, si on fait ça, c'est un faux œil. Ici, il peut y avoir des faux yeux, et là, c'est la forme en 4. Donc on est obligé de protéger, ok, ouais, sinon on est mort. C'est pas très fin, des fois, c'est cool. Hein. Je sais pas ce qu'il me reste comme gros coup, hein. Pas grand-chose, je pense. Ouais, ça, c'est bien. S'il pousse là, on va là. On est vivant. Bon, il a enfin lâché le santé, mais on a que 20 secondes, donc dur de dire ce qu'on peut jouer ou pas. Bon, on va jouer ça. Et récupérer 20 secondes. On va jouer ça. On va... Est-ce qu'on a des points à faire ? Ça, c'est même pas vraiment un point, parce que quand il jouera là plus tard... J'ai rien d'incroyable. Hein. On va garantir le plus de points possible dans ce coin.
crois R14, non. R14? De quoi R14? Comme ces trois groupes sans yeux d'affilée, c'est sainteté. Tac. J14. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas trop quoi jouer là, c'est assez bordélique en fait. J14, ok. Je regarderai plus tard du coup. T'inquiète, pas de soucis. Oui. Bon, ici il y a un point, ici il y a un demi-point, demi-point. Là il y a un point. Oh, on va jouer. Il vaut mieux que perd pas le temps. Mais c'est pas optimal du tout. On a quand même une belle zone ici, on a quelques points là, mais c'est à peu près tout. Je pense qu'on la perd. On n'a pas de commis en plus. Il y a autant de pierres capturées. Ouais, ouais, ouais. Et je vois pas de sainteté en fait. Je ne vois pas de sainteté. Parce qu'il y a un Q et moi je suis un Dan. Vous avez le classement normalement ici. Ok. Il y a ça aussi. Ah, 0,5, c'est ça. 0,5 de commis. Ah, ouais, ouais. On capture. Il recapture ça. De toute façon, ça m'étonnerait que la partie se joue à 0,5. Alors, je pense qu'il est bien devant. Si je dis pas de bêtises. Petite menace. Ouais. Ici. Ça menace de capturer ces 4 pierres. Ok, du coup on revient là. Tu n'en dis pas, je pense. J'ai pas compris. Ouais, y a pas d'ordre particulier hein, et à chaque fois ça retire complètement les menaces. Donc peu importe. J'ai ça encore. Et lui il a ça. Il a dit il est devant, si je dis pas de bêtises. Ah ok, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, ça a l'air gros ça en fait. Puis il a une autre zone 10 intéressante ici. Donc oui. Pas foufou.
Ouais. Ça commence à... à manquer de menaces pour blanc. Je crois que j'ai joué toutes mes menaces. Ouais, et lui, il reste ça là. J'ai plus l'impression d'en avoir un. Ça aurait eu le mérite de d'éclaircir un peu la partie. Ouais, celui-là il est plus gros. C'est peut-être la dernière menace pour moi. Mais lui, bah voilà. Mais ça manquerait une ici. Je me secoue. Eh, j'ai peut-être eu. Je suis en train de voir là. Ici, tac. Si je réponds pas, il va là. Et on peut jouer ici. Il joue là, ah, c'est tendancieux. Ouais, il faut... Oui, bon, on gagne le coup, cool. On a eu le dernier mot, même si on perd la partie. Je pense qu'il avait des menaces ici. Et comme ça. Donc on compte ses points à lui. Et normalement, il compte les nôtres. Et il le fait pas, si, ok. Allez, on perd. On perd de 7 ennemis. Dommage. Hop. Dommage, dommage. Aïe, aïe, aïe. C'est con. On va regarder un peu de ça. Donc, ici, c'est normal. Donc, normalement, la séquence à peu près classique pour Noir, ici, c'est... On joue ça. Blanc vient là pour menacer de séparer. Noir vient là. Blanc vient ici. Noir fait double année. Mais quand Noir fait, Blanc fait double année également... Noir protège ses nombreux scoops et blanc s'avance. En fait, noir a gagné un mur solide et un bon yossé. Et blanc s'en est bien sorti quand même. Tac. Donc là, quand on te fait D3, c'est ça que tu réponds. Dommage, mais bien joué. En vrai, la chasse était stylée et était carrément dead. Ouais, j'ai fait de la merde, hein. Franchement, oui. Il aurait dû mourir. Tac, tac. Donc là, il choisit ce côté. En vrai, il... Il joue ça, c'est mieux, je pense. Tac, tac. Donc on sort, on fait ça, ok. Et là, on est... je suis assez content de, pour l'instant de la partie. Ici, il nous renforce, il avait pas besoin. Peut-être qu'on peut faire ça. Hein. Peut-être qu'on peut faire ça, parce que s'il fait ça, tac, tac. Ça serait risqué, je trouve. Je sais pas si c'est incroyable pour... Ah non, en fait, non, c'est pas fou. Non. Comment est-ce qu'on aurait pu gérer cette situation? De l'autre côté? En faisant ça? Et là, s'il essaie de couper... On fait ça tout simplement. S'il recoupe, on vient là. Mais c'est un peu dangereux pour le coin, peut-être. Hmm. Ouais. Non, peut-être qu'on a bien fait, hein. De jouer dedans pour pas abîmer ses pierres. Peut-être que c'était le mieux, ouais, c'est le plus simple. Mais j'aime pas trop la forme ici, là. Pas fou. Ici, il a été trop agressif. Donc on a fait courir. Finalement, il voit que ça va être compliqué de deux côtés, donc il sacrifie ce qui est presque le plus gros, finalement, hein, puisque ça, ça semble immense. On prend, et en plus il doit rajouter un coup, et nous on rajoute un autre. Ici, ce coup-là n'était pas incroyable, parce que quand il vient ici, en vrai, peut-être qu'il peut couper comme une brute. Hein. J'ai l'impression, il a reculé, mais peut-être qu'il peut couper comme une brute. Donc moi, je pense que ce coup-là est un peu mieux. Parce que là, il y a ça. Alors il s'est fait une belle forme. Et s'il vient dedans, il peut pas couper. On capture. Donc il revient, et nous on sort comme ça par exemple. Non. On connecte, on connecte, on connecte. Et s'il prend la pierre, bah, on le pousse, et on sort, et c'est quand même bien plus fluide en fait. C'est plus joli les formes. Donc ouais, par rapport à ça, il est venu dedans. Mais on voit que même, même maintenant, s'il continue, on peut pas jouer ça, on peut pas se permettre trop. Donc c'est quoi, c'est on aurait... Continuer comme ça.
Après, ça aurait pas été super pour lui de trop continuer parce que ça affaiblit ce groupe. Mais bon. J'ai juste une ligne droite alors que tout à l'heure, dans l'autre séquence, on voit que je suis déjà sorti, quoi. Si je viens prendre un gros coup, il joue là, c'est gros, hein, mais je pense que je suis en avance. Et si on vient là? C'est peut-être pas très bon. Oh, quoique. En même temps, il va pas se laisser séparer sa pierre. Et ici, ouais, là, j'aurais dû tuer. Et la partie se finissait quasiment ici, en fait, parce que c'est immense. Donc, il vient là. On défend ça, c'est normal. Et là... ça, c'est normal, je pense. Il peut pas se permettre que je sépare en plus ça et ça. Ensuite, on vient là. Ça semble normal. Et là, je viens là. C'est Q5. Trop gentil. Pour débuter, je me permets de conseiller le langage des pierres de... ouais, ouais, il est top. Il est top, il est top. Faut le relire plusieurs fois, c'est parfait. Ici, j'ai été trop gentil. Hein. En plus, avec la forme, c'est... là, c'est facile à voir, en fait, qu'il est vivant avec ça, ça, et voilà, vivant. Si, je dois jouer ça. Ça menace de connecter en Q5, donc si je joue là, il semble mort, quand même. Hein. Donc, il est obligé quasiment de faire ça. Mais dans ce cas, je viens ici. Connecte. On fait ça. Et même s'il a ce genre de coup... il ira pas très loin, et même s'il coupe, j'ai des bien meilleures formes ici que lui là. Donc ouais, c'est Q5, ça le laisse vivre, c'est dommage. Même ici, si je reviens là, je me demande s'il est pas mort encore. Parce que même s'il vient essayer de faire ses yeux de ce côté, on peut faire ça. Et du coup, il n'y a aucun œil ici. Donc là, il en a un, potentiellement. Donc même à ce moment-là, on peut ignorer l'Atari et dire tant pis, Q5 c'était une erreur, je reviens ici. Ouais, dommage. Bon, il a vécu du coup. Et nous, le prochain objectif, déjà on prend ce gros coup. Et le prochain objectif, c'est bon, tant pis. On n'a pas réussi à tuer, mais il a souffert. Donc il y a forcément eu un gain, quelque chose. Le gain, c'est tous ces coups qui se sont rajoutés, en quelque sorte. Ici, ça. Connexion solide. Tout ça, ça s'est rajouté. Donc, on voit que ces pierres commencent à être vachement entourées. Elles ont quoi? Cette direction. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je joue par ici. Pour maintenir cette pression et empêcher la dernière sortie. Le circuit, il recule assez gentiment. Du coup, on attaque. Parce que je me disais que... si j'attaquais ici... est-ce qu'il a cette place pour vieux ou pas? En vrai, peut-être pas. J'aurais peut-être dû enfermer direct. Parce que là, je lui ai laissé le premier coup pour sortir. C'est dommage. Ouais, je lui laisse l'initiative. Zut. Enfin, c'est encore compliqué pour lui parce qu'il est sorti vers des pierres blanches alors qu'il aurait dû sortir par là. C'était moins solide. Il vient ici, je vais là. Donc là, il a des faux yeux partout. Ça a l'air de bien se passer. Ici, j'ai peut-être pas besoin de faire ça, hein, ce coup. Juste ça. Parce que s'il vient, même s'il force là et qu'il vient couper, on est connecté. À ce moment-là, on revient là. S'il coupe directement, pareil, on vient là. Il n'a pas de bon moyen. Ah si, il a ça. Donc... on fait pas celui-là, on aurait fait ça. Mais c'est compliqué en vrai pour lui, il a trois libertés.
Même s'il peut attaquer, on descend juste et ça semble fini. Donc ce coup-là était trop gourmand. Et 16 aussi. Une autre erreur de ma part. J'avais fait pas mal de grosses erreurs quand même. Ouais, ici, là, je connectais ici, tout simplement. C'est mieux. Empêcher d'accéder au bord, c'est dans les bords et dans les coins qu'on trouve la vie. Ici, je sacrifie la pierre, c'est normal. Et là, ici. Nobi. C'est trop fragile, tout ça. Nobi, et s'il continue, on peut jouer là. S'il va ici. On connecte. Tac, tac. Mais il peut jouer en premier à l'intérieur. C'est ça le problème. Et du coup, ça devient un CMA, une course aux libertés. Entre tout ce groupe blanc. Et tout ce groupe noir. Après, oui, il a plus de liberté. D'où le fait que ça c'est très important parce que là en fait je néglige ma propre base de vie sur un groupe qui attaque, donc c'est mauvais forcément. Même à la place de ça, en fait là peut-être que je dois jouer ça tout simplement tout de suite. Il peut pas sauter comme ça maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Là s'il continue à un moment il devra repartir quand même. Et nous on a un œil sur ici et impossible là et la sortie, donc ça va. Ouais, c'est ça les grosses erreurs de la partie. Hein. Et après, on s'est battu pour rattraper, mais trop tard en fait. Quoi. On va regarder également en haut. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? De toute manière, là. On pousse. On bloque. Là, je vois pas ce qu'on peut faire de beaucoup mieux. C'est maintenant. Bloc. Il vient ici. Donc là, j'ai joué quoi? J'ai joué ça. Le truc, c'est que si je faisais ça, c'était fini. Alors... est-ce que vous avez des idées, vous? Si je joue là, il joue ici directement. S'il bloque comme ça, on va ici. Mais il peut protéger. Donc il a deux yeux. Ouais. Ça semble dur à tuer en vrai. Hein. Parce que même si on file à l'intérieur, on peut pas en fait. Tac, tac, et on peut pas aller là. Ou alors on fait ça. Quand je vais ici, je pousse là, c'est quasiment sûr. On va ici. Et quand il protège, on descend. Après, qu'est-ce qui se passe avec ça? Objet connecté là, il va là, tac. Bon, ça a l'air d'aller. Donc ça a l'air d'aller. On a 4 libertés. Il peut pas jouer ça tout de suite. De d'abord régler ça. Je fais ça. Et il fait ça. Ok, ça passe tout juste pour blanc. Mais après, oui, ça c'était une bonne solution du coup. Aller directement ici. Et crever l'œil direct à l'intérieur. En fait, j'ai manqué de jugeote ici. J'aurais dû aller directement à l'intérieur dans le point vital et en haut également. Dommage. Et sur le chat, on me dit, dans la partie, coup 151, il fallait juste répondre Q9, je crois. Oui, ici, j'ai été trop gourmand. Parce que quand il revient connecté, parce qu'il faut revenir connecté maintenant, connecte là. Et
Et on n'a plus aucun problème. Même lui, il doit revenir, du coup, puisque maintenant, ça devient très urgent. Et on n'a vraiment plus aucun problème. Ouais, ouais, c'est fini, ouais. Aïe, aïe, aïe. Tellement de bêtises. Parce que même s'il revient ici, et qu'on connecte et qu'il fait son œil, on peut jouer là. Et là, on voit... C'est un faux œil, parce qu'un jour ou l'autre, ça sera mis en Atari. C'est un faux œil, parce que c'est en Atari. Donc, toutes ces pierres-là pourraient être mises en Atari ici, donc c'est un faux œil. Et ça, ici, c'est un faux œil. Donc, il n'a qu'un seul œil. Donc ouais, bien joué. Ça tue Q9, effectivement, Gabouche. Effectivement, effectivement. Hop, du coup, dans les séquences qu'on regardait ici... Est-ce que vous voyez d'autres séquences ici, par exemple? Ah ouais, stylé cette séquence quand même. Et la plus grosse erreur, c'était quand il a pu jouer T16, non? T16. Ah, je sais pas, un truc du jeu. T16? C'est moi qui ai joué T16. Il n'y avait pas de coup avant. Je te laisse me redire ce que tu voulais dire là. T9, ok. Mais oui, quand je laisse jouer T9, oui, oui. Oui, ici je joue là en fait aussi. Ah si, Yako quand même en fait. Yako quand même. C'est avant en fait. Je suis aveugle, je fais absolument pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Pas de soucis. Et dans le chat, on me dit quand tu joues L18, alors qu'est-ce qu'il y a L18? Ah! Tac. Mais la séquence où je jouerai sans premier. Non. Attends, dans quelle séquence du coup? Ici? Ouais, mais du coup, je jouerai pas là. Toi, tu joues ça du coup à la place de ça. Il faut faire extrêmement attention parce que ici blanc noir peut se faire un œil. Et après, quand il y a la coupe, il y a ça. Donc ça a l'air compliqué. Ça a l'air très compliqué quand même. En fait, noir gagne plus de liberté. Hein. Non, je pense vraiment que ça... Au maximum, ici, ce que je vois que noir pourrait... Ce que noir pourrait faire, c'est jouer là. Blanc revient, tac. Mais non, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Ok. Donc ouais. Jouer M18 directement, ça semble propice. Et s'il descend, bien sûr, on monte et c'est fini aussi. Et il joue Komoku. On va jouer Komoku. Il joue un autre Komoku. Un jeu aussi. Ok, il joue un Shimari. Dans ce cas, on va empêcher qu'il lui en fasse deux. Ça, c'est assez classique. Hein. Ok. Il a joué assez haut. On va jouer haut également pour contrer son influence. Il joue en face, il empêche que je fasse une extension, par exemple, un Fuseki chinois, quelque chose du genre. Suite à son... Je sais qui est en face, là.
Le bord sud est moins intéressant, c'est très plat, très écrasé. Ça va être dur pour moi, en plus, que je vais commencer solide, ça, de faire beaucoup de points. Donc si je prends une direction, ce serait plutôt de ce côté, mais comme il a une pierre, on va plutôt jouer avec ça. Il y a un espace de plus. Plus de potentiel. Si je joue en quatrième ligne, ça semble trop gentil parce que il pourra tout simplement faire un kéma comme ça. Ce sera à la fois une approche de coin et en même temps une belle forme pour lui. Donc ça serait plutôt en troisième ligne que je vais jouer. Comme ceci. Parce qu'il vient là. On va juste reculer. Si je push comme ça, il monte. Je prends l'extension. Et le problème, c'est qu'il a déjà son extension idéale, donc c'est vraiment pas fameux pour moi. Donc on va juste prendre notre base de vie tranquillement. Je pensais qu'il viendrait dans le coin. Dans ce cas-là, on va jouer ça. Ça menace C8. Après lui, il pourrait venir là. Mais si on saute ici, il y a quand même des faiblesses. Et il peut venir dans l'autre coin. Donc autant garantir un coin, déjà. Il joue très vite. Bon. Ce bord là, c'est plat ici, c'est plat là. Ça va être compliqué de développer. Il reste ici qui est assez large. Rentrer dans le coin si on veut. Ou de ce côté, parce que c'est large encore une fois. Je viens jusqu'ici. Ce Shimari regarde dans cette direction. Donc c'est pas mal. C'est très timide ça quand même. Hein. Il pouvait jouer plus loin. J'hésite, soit je glisse dedans. Soit je recule en menaçant de faire un territoire assez conséquent. Mais il aurait ça, tac, et il monte, et il a quand même un gros coin. Je pense qu'on va reculer, on va rentrer dedans. S'il prenait trop facilement tout le coin, ça commence à faire pas mal de cash sur au noir. C'est un peu dérangeant. D'ailleurs, j'ai pas dit les premiers Q, donc j'ai également 0,5 de commis. Et il vient là. Ok. Donc l'idée, c'est si je monte, il joue ici, je joue là, il recule. Et en fait, il a déjà la pierre bien placée dans ma forme. Donc souvent, on fait un hané au-dessus ou au-dessous. Si je fais au-dessus, je peux jouer là, je défends. Je peux faire atari, je défends, et... pas si évident pour lui. J'ai l'impression qu'hané vers le haut, c'est pas mal. Si je le fais c'est vers le bas, j'ai quand même l'impression qu'il... qu'il prenait beaucoup d'influence. Là, ok, il va encore pouvoir faire ça. La différence, c'est que j'aurais gagné L16. Donc j'aurais déjà un peu plus d'impact. On va faire ça. Ah, il le fait même pas. Dommage, c'était gratuit. On va le toucher, je pense. Ça va menacer directement, ça va l'attaquer. Et en même temps, ça va peut-être retirer nous nos faiblesses. Quand on touche l'adversaire, les deux se construisent. Donc moi j'aimerais bien me construire ici, retirer cette faiblesse qui est en C16. Ok. Si je joue ça, il fait Atari. On répond. Et s'il protège en bas, on peut couper. S'il protège en haut, on peut capturer ça. Ou alors on monte.
Il pousse, on va là, mais il aura du bon yossé. Donc c'est pas très beau, mais on va faire ça. Attends, il... Marrant, des... certains coups, il joue très vite, et ça, il vient pas. C'est marrant. Bon bah, Atari, du coup, moi. C'est étrange. S'il répond et que je monte ici, bah... Je blanc est très content, en fait. Je comprends pas trop pourquoi il a pas fait l'Atari. Ok. Donc maintenant, il peut plus trop attaquer ça facilement. Ok, il a l'année à la tête de pierre. On dit qu'en général, il faut pas laisser ça. Mais si je réponds tranquillement... Et qu'il s'en sort, qu'il chope le CNT pour attaquer ça, on va quand même tirer la grimace. Donc maintenant il faut revenir ici. D'une manière ou d'une autre. Si on vient direct ici, il vient là, on va là, il peut faire Atari. On répond. Il capture, mais on refait Atari, tac. Oh, en fait, on pourrait s'installer dans le coin, mais on affaiblirait beaucoup ça. Donc, on peut pas aller aussi loin. Ouais, c'est plutôt ça, hein, j'ai l'impression. Parce que même Q17, ça laisse la possibilité de, pour lui de faire N18. On empêche, il va en P18, on empêche, mais après, il coupe en capturant la pierre. Ici, il va garder son coin, mais on va se renforcer. Ok. On va jouer là. S'il capture direct, on peut rentrer dans le coin. Je viens d'en gagner une petite en écoutant. GG. GG à toi. On peut forcer une fois, ou alors venir en L18, qui est la base commune. Ça semble assez intéressant. Ou alors venir là même. Tac. Ouais, ça semble intéressant également. De toute manière, il peut pas me couper les double atari direct. Il sort. On a gagné encore un peu de force sur l'extérieur. On remenace de... Là, s'il ne répond pas, on peut faire Atari s'installer dans le coin et c'est vraiment cool. Donc, il répond. Et ici, il a perdu toute sa base de vie en soi. Tac, tac, on va là, ici. Et s'il capture la pierre, on va là, il capture. On va ici. Et il a un faux œil là, en fait. Et il a pas encore Dieu, vraiment. Donc ici, il y a des séquences intéressantes pour blanc. Donc on va sortir. Pour le moment. Quand on a plusieurs pierres en hobby comme ça, on peut s'autoriser à faire un Nick and Toby, un saut de deux espaces. Comme c'est solide, on peut pas trop se faire couper. Ok. On protège. On a un coin satisfaisant, on a un autre coin intéressant, on a une base assez solide ici, ça serait bien si on chopait le timing de R11, ça serait vraiment cool. Ok, il est brut. Alors qu'est-ce qui se passe s'il va en D16? Si on fait Atari de là, il continue,
Ouais, je pense pas qu'il puisse. Maintenant, par contre, s'il force, tac, et qu'il coupe, il y a beaucoup de problèmes. Donc voilà. C'est quand même un gros coin. On va pas le cacher. C'est assez agréable. On est bien revenu dans la partie niveau cache. Ok. Donc c'est pas santé. Et un jour ou l'autre, si on en a vraiment envie, on pourra aller en E14 pour couper. Ça sera pas beau. Et si on a besoin. Pour l'instant, c'est un peu... C'est pas nécessaire. Nous, on disait, le bord sud, très compliqué à développer. Mais ça deviendra quand même gros d'aller en M3 un jour ou l'autre. Après, M3, c'est peut-être un peu trop proche, parce que directement, il revient... Il peut contrepincer, et là, notre pierre est assez isolée, finalement. Donc un peu moins loin peut-être. Mais je disais, ici il n'y a pas vraiment de base établie encore sur, donc venir là, c'est pas mal. En plus c'est son extension naturelle, donc c'est, il y a deux utilités à ce coup. Et puis c'est quand même intéressant comme zone. Ah oui. Ah, il vient direct dedans quoi. Que j'ai droit de connecter comme ça. S'il saute, on va ici. Ouais, j'ai l'impression qu'on peut connecter comme ça. Peut-être que je devais faire la gueule de tigre, je sais pas. Par contre, il est en force derrière. En force derrière ? Je veux dire qu'il a une grosse influence, il est... Ouais, c'est fort. C'est vrai qu'il a un mur presque parfait ici. Hein. Après, blanc est déjà établi, donc ça limite l'influence. Ça va lui donner un peu d'ouki sur l'extérieur, j'aime pas trop. Et bon, pas trop le choix là. Ah, il faut capturer. Dommage, parce que là, il se sentira obligé de capturer. Et du coup, il est goûté. Alors que s'il avait capturé direct, je devais connecter. Et ensuite, il était santé. C'est dommage quand même. C'est dommage, c'est dommage. Donc on a notre territoire. Là, à part ce groupe, tout est sûr à 100%. Faut surveiller ça. Mais il respire, hein. Il respire pour le moment. Rien que ça, ça fait vivre. Donc, dernier gros espace par ici. Maintenant, j'ai envie d'aller venir, de venir très proche. Pourquoi? Parce qu'il y a des menaces de séparation par ici. Et on est en BEMI, ok. À venir comme ça. Et... On monte. On monte, on monte. Ok. On va juste monter en fait. Ok, il revient là. C'est peut-être un peu mou ça. Parce que maintenant, moi, je peux venir attaquer par ici. Si je viens ici, qui va là, je vais là. Il fait atterrisser, tac. Il peut pas vraiment couper. Enfin, il peut pas vraiment connecter plutôt. Et il ne cherche pas à le faire d'ailleurs. C'est intéressant. Et dans ce cas, moi, je me connecte. On vient ici.
Ça menace à la fois de connecter de ce côté. On vient là. Il répond, on fait la connexion bambou, et s'il monte, on coupe. En plus, on a gagné des possibilités par ici, du bon Yossé, tout ça. Pas de soucis, on vient là. Kosumi, hein, s'il joue là, je joue là, s'il joue ici, je joue là. C'est Miyai. Et maintenant, même si c'est un... Même si c'est un Ponuki, il a la forme de capture d'une pierre. C'est assez isolé. En plus, il est goté. On va sortir comme ça plutôt. Peut-être un peu gentil ça. Après, ça nous construit. Est-ce qu'on avait une petite faiblesse ici? On va juste relier nos groupes, déjà. Après, on peut aller là aussi, hein, mais... Alors ça, c'est pas un très bon coup, je pense. On va enfermer ça. Comme on disait ici, on peut aller en L18, de toute manière, pour aller vivre. Donc ça va. Très bizarre, hein, J12. Il l'a joué très vite, en plus. Il a pas pensé à son groupe faible. Même s'il vit, c'est pas la folie. Il va vivre à pro, oui, mais tout petit. Ouais, il est vivant. GG. Nous on est tout connecté maintenant, donc c'est cool. On va déjà forcer une pierre ici. Et j'ai pas trop le temps de compter, mais on va comparer les territoires. Ici, ici. Ça. C'est plus gros que ça. Et ensuite, il a quelque chose de questionnable ici pour ça. À tout moment, on peut jouer par là aussi. Faire quelque chose là. J'ai l'impression que c'est pas mal. Il faut réduire à peau de chagrin cette zone en fait. Et ça suffirait, je pense. Ok. Ok. Il est agressif. Atari. S'il sauve sa pierre, on connecte. Ok, il la sauve pas. On capture, c'est cool. On se fait des points là où on n'en attendait pas. Ouais, J9, c'est un peu le grid, ouais. Clairement. On va forcer ici, hein, c'est gratuit. Là, ce qui est important, c'est de pas lâcher le CNT, en fait. Il a une belle zone ici, quand même. Il faudra réduire. Ça, il aimerait pas que je rentre dedans. Faut que je fasse attention au Biomi, quand même. Il a pas envie que je rentre dedans. Faut vraiment essayer de calculer quel genre de coup il a vraiment pas envie de me laisser. Ici, il voudra pas me laisser, je pense. Hein. Si je peux rentrer trop facilement, ouais.
va venir là. Hein. S'il coupe, on fait Atari. Il va là. On va ici, mais il peut capturer. Donc on est obligé de protéger ça. De cette manière. Alors là, j'ai peut-être quelques petits doutes. Peut-être que je pouvais couper direct, mais j'ai peur de faire des bêtises et de perdre le coin. Ça serait dommage. On peut aller dedans, hein. S'il fait Atari de ce côté, on va là. Ça menace de prendre tout ça, donc... Donc il fait là, tac. Ensuite quoi? Il va être coupé ou non? G2 était grand en particulier aussi. Je viens de me rendre compte, ouais, il a pas dit une bonne partie. Hein. Pas correct. Du coup, je t'ai pas re-remercié tout à l'heure, Fed, pour les 3 mois d'avance. Merci beaucoup. Hein. Merci, merci, je dirais pas assez. Je viens juste de voir que tout à l'heure, Neila avait dit bonjour et j'ai pas dit bonjour. Désolé, c'est passé au milieu, désolé. Bon, ça va. Si t'es toujours là. Je sais pas. Merci pour l'abonnement, Valère. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Avec Prime Gaming, il y a un abonnement gratuit, ouais, c'est vrai. Merci de me le faire profiter. Je suis en train de faire n'importe quoi, je crois, là. Enfin, c'est un gros échange, quoi. Si je vis dans le coin derrière, c'est cool, hein, mais bon. Donc, il meurt là. Et est-ce qu'on arrive à faire vivre ce coin, en fait? C'est ça, la question. Peut-être? Ouais, merci beaucoup, hein, Valère. Annie? Bon, on va vraiment tenter de faire vivre ce coin. Hein. Si on fait vivre ce coin et qu'on a juste perdu ça pour prendre ça. C'est un bon deal. On est peut-être optimiste, hein, mais... On va tenter. Je vais là. On va connecter. Ouais, ça semble compliqué quand même de vivre. Ça semble compliqué. Ah ouais. Donc c'était sûrement une bêtise du coup de tuer ça pour perdre tout ça. Intéressant. Bon, tant pis. C'est fait. C'est fait, c'est fait. En plus, il nous empêche de développer ici. Ah, est-ce qu'on va vraiment la gagner, cette partie? Pas facile, pas évident.
On va venir là. Ouais, ça lui fait un gros territoire quand même. Hein. On a un peu merdé ici. Aïe aïe aïe. On prend les CNT. Hein. Ok. Tu l'avais pas CNT. C'est gros ça, hein, mais je suis en train de regarder un peu tout ce qu'il y a. On va jouer ça, hein, ça semble quand même gros aussi. Ouais, il empêche tous les points ici, c'est normal. On est vivant là. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir peur de se faire couper. Ces trois pierres, elles vont se connecter soit en haut, soit en bas. Ça vaut beaucoup ici, hein, parce que c'est plus que 4 points. Dur à estimer, j'ai plus beaucoup de temps, donc on va le jouer. On a deux belles zones de points, mais il a énormément ici. Je crois que je lui ai donné la partie en échangeant ça. Ah non, on a ça aussi comme belle zone, je suis bête. Bon, c'est ça va peut-être, mais... On joue avec le feu. Ok, donc il veut couper ici, tac. Ok, c'est bizarre. Trop ce qu'il fait. Ça marche pas ça. Bon bah j'ai des points finalement ici. Cool. En plus il y a toujours la coupe de possible, attention. Bon on a des points, c'est cool. On a ça qui est sainté, parce que s'il va là il fait quand même quelques points. Ah non c'est goté, mais c'est gros. Ici je pense qu'il a pas envie qu'on rentre dans ce truc. Que si si il y avait des petits trucs quand même, on pouvait jouer F13. Ouais il est gentil aussi. Ouais si ça sent bien hein. Bon je pouvais connecter direct je pense. C'est un détail. C'est un détail. Bon, je pense qu'on est devant. Je sais pas. Parce qu'ici, c'est assez petit. Là, il y a 3 points. Ok. Ouais, on est peut-être devant quand même. C'est pas grave s'il coupe, on est vivant. Pouf. On va venir là. On va... Cette pierre, c'est intéressant à prendre, je pense. Ça fait le point ici, ça fait une pierre capturée. Possiblement un autre derrière. De toute façon, je suis pas sûr qu'on ait des CNT. Ouais. Je suis pas sûr. Oh mais non, mais il sort, je peux pas la prendre. N'importe quoi.
Attends, tac. Il va là. Je vais ici. Capture la pierre. Je reviens. Ouais, non, on n'a pas la place pour vivre. C'était juste une idiotie. Tac, 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 tac. Non. Je cherche, hein, mais non, il n'y a rien. On a juste fait une erreur de calcul. Oh, je veux pas ici. Peut-être qu'on aurait dû jouer ça d'abord. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on joue ? Ici, non, parce qu'il protège, mais il y a menace double Atari. Je trouve un coup. Cet Atari, c'est pas fou. Après, ça protège ici, j'aurais pas rajouté des coups plus tard. Je sais pas ce que j'aurais dû plus jouer ici. Bon, cela dit, s'il capture, c'est pas très gros non plus. Ok. On va plutôt venir là, ça menace de faire l'atterri ici, de rentrer, ouais voilà. Et s'il capture, c'est qu'une pierre de coup. Cette pierre est plus importante par exemple. On va connecter nos groupes. Non, il n'y a rien. J'ai cru pendant deux secondes qu'il y aurait quelque chose, mais non. Il y a ça, il y a ça. C'est un goûter intéressant. Ouais. Pour le coup, lui, il a les 2-3 centés. Donc, il lui reste D1. On va capturer ici. Faire un point ici, là, en jouant ça, puis L19. Bon, celui-là, j'y réponds pas. C'est un coup, hein, comme ici. Bon, j'ai plus qu'une période. On va essayer de faire de pas faire l'idiot. Je sais pas où jouer. Y a pas de grand chose d'intéressant. Hein. Il n'y a vraiment rien d'intéressant, je vais jouer ça pour pas perdre autant. Mais de toute façon, même si je joue en K19 et qu'il répond, je protège et qu'il pourra faire son point. Ouais, peut-être que j'aurais dû fermer ici, ouais. Ok. Ah si, ouais, c'est ça en fait ce que j'aurais dû jouer. Je le voyais pas, je regardais que sur les côtés, zut. Je peux absolument couper depuis tout à l'heure. On va faire atterrir sur cette pierre. Même s'il coupe, il a aucun moyen de tuer ici. Donc on a protégé cette pierre, on pourra protéger celle-ci et voilà. On peut menacer ça de faire atterrir ici. C'est surtout pour fermer les territoires. Et je ne me trompe pas. Il y a ça quoi.
ça semble fini. Ouais, il y a très mauvais échange ici, je pense. Je crois qu'on gagne. Ça a l'air quand même. Oh non, il y avait rien. Il y avait rien, il y avait rien. Alors c'est point à lui, tac. Voilà. Ah, on perd. Oh, c'est tellement gros. C'est trop gros. Zut, on la perd. Ah, dur. On a tout perdu mardi, on perd tout aujourd'hui. Hop, il est parti sans dire merci. Ok. Ah là 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 là, la cata. Donc on me dit B3 au lieu de C4. On va regarder ça. J'ai joué C4. Ouais, je pense que même B3, malheureusement, il n'y a pas grand chose. Non, je pense que c'est juste l'échange qui est bizarre. Ici, ils me disent de jouer là. Et à ce moment-là, je pense que je suis devant. Hein. Ouais, je suis devant de 20 points. En fait, c'est vraiment. C'est vraiment donné. Là, ouais, c'est immense en fait le coin. Là, quand on voit ça, c'est gros pour blanc. Ça devient un noir, quoi. Pour ça, ah, ça vaut pas le coup. Tous les coups ici que j'aurais pu avoir yossé et tout, il faut prendre ça en compte aussi, quoi. Donc c'est vraiment, je lui ai donné la partie, quoi. C'est ça, c'est trop gourmand. J'ai marqué moins 18. Allez hop, aïe aïe aïe, ouais, trop gourmand. Zut zut zut. Bon, c'est de ma faute. Hein. Bah, là, ils disent que blanc il a 95% de la partie. Et ça se transforme à noir plus 100% quasiment. En 2 secondes. Le graph, il va de tout, tout, tout. Et on me dit si B3, ça peut passer. Bon, on va regarder ça. Je vois pas comment ça passe. Même si noir fait ça, c'est moche, mais au moins il est bien connecté. Non, non, noir, il fait pas ça. Mince. Il fera ça du coup, parce que même si ça se passe comme ça, il fait ça, même si on vient prendre la pierre, on coupe, c'est pas grave, donc là il n'y a rien à craindre. Donc blanc continue, mais noir vient là. Et noir peut se permettre d'aller là. Et même s'il vient là, et ça semble foutu. Mais j'ai essayé de regarder un peu la partie, j'étais, il n'y a pas un petit truc et tout, mais j'ai l'impression que non. Et ce dont il a eu peur à la fin aussi là... Il avait peur que je fasse ça, ça menace de faire ça. Et les Atari. Il n'y a rien en fait, c'est pas possible. Bon, après il menait donc il a le droit. Mais oui, j'ai manqué vraiment du jot ici, mince. Même je recule. Ouais, mais non, du coup, on se demande pourquoi je jouais ce coup. Donc, c'est vraiment là, la partie se joue ici, quoi. Je dois jouer là. Et. Ouais, quand il protège, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas comme ça. Hein. En fait, il peut pas connecter facilement. Non, j'ai perdu la précédente. J'ai
perdu la précédente aussi. Hein. De 7,5 et là de 3,5. C'est des parties serrées, hein, mais... Zut. On peut revoir la séquence, 6 pouces en D16. Oui, bien sûr. Hop, hop. Tac, tac. Il ferait ça. Ça marche pas. Dites-moi si je vais trop vite. En quoi, en fait, je vois pas trop ce qui marcherait. Il peut que descendre, donc du coup. Tac. Et du coup, s'il essaie de connecter, on va ici. Il peut pas capturer. C'est auto-atari. Donc il passe au-dessous. On fait atari. Tac. On fait atari. Tac. Et on capture. Donc D16 n'a pas l'air de marcher. En tout cas, c'est ce que j'avais lu, moi, perso, mais... Donc j'avais pas trop peur. C'est pour ça que j'ai laissé ça, même si c'est pas beau. C'est pour ça que j'ai laissé ici, en fait. Je me suis dit, la forme... En fait, c'est une de mes formes préférées, celle-ci. C'est ma forme préférée, en fait, c'est hyper solide. C'est... On va rien faire contre ça. C'est pour ça qu'on la retrouve dans beaucoup de jeux, c'est qui est tout ça aussi d'ailleurs. C'est pour ça que, par exemple, dans les jeux c'est qui de Sansan, blanc ne fait plus ça. Parce que ça donne ça à noir. Et c'est trop fort. On dit maintenant. C'est pour ça que dans le jeu c'est qui moderne, maintenant, blanc pousse une fois de plus ici, noir va, et blanc joue ailleurs. Tout simplement. Ouais, c'était pas trop compliqué la séquence, ouais. Après, il faut la voir, quoi. C'est, quand c'est posé, c'est plus facile à visualiser, forcément. Ouais. Donc, on va regarder ça vite fait. Là, je suis bien, je pense. Ici, c'était bizarre. Pourquoi il fait pas Atari, là ? Pour connecter ensuite ici, il gagne de la force sur l'extérieur, et même si je prends, ou pire, bah, je suis complètement goté. Et il est vivant, avec deux yeux ici, et on remarquera encore une fois la présence de cette forme. Elle est toujours là. Donc, bizarre qu'il se soit laissé écraser, là c'est trop bien pour Blanc, hein. La différence. Hein, que là, où il a une force extérieure, et Blanc finalement il a fait deux points de plus, mais bon c'est pas très grave. Hein. Et ici où c'est nous qui sortons en premier. C'est pas le pareil, hein, c'est sûr. Donc on vient là, on vit. Il vient ici, c'est pas grave. Non. Tac. Et d'ailleurs, ici, est-ce que si on ignore, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on peut pas faire Atari de ce côté. Ce qui va là, on va ici et il capture. Si on fait Atari de l'autre côté... On pouvait peut-être. Et du coup, on pouvait rechoper le Sente encore une fois, hein, zut. Là, j'ai eu un peu peur hein, par rapport aux formes, vraiment. En fait, ça va. Même hein, si on se pousse de ce côté, en fait, ça va aussi. Hein. En fait. Peut-être qu'il y a ça, ça, il va là. Mais on capture et en fait, non. On ferait ça. Et là, il peut plus rien faire si on va là. Donc en fait, même ici, quand il connecte, là, quand il connecte, on peut aller ailleurs. On a loupé un beau timing, là, par contre, de reprendre un CNT. C'est à ce moment-là la partie, après 49 coups. C'est gros encore de pouvoir avoir un CNT. Dommage. Et là, on aurait joué un des gros points restants. Ça. Ça. Et je l'ai pas eu dans la partie, mais je pensais à peut-être jouer un moment ça ou ça. Pour réduire. Parce que c'est quand même une zone intéressante. On a vu plus tard, c'est devenu intéressant. Ouais. D'ailleurs, celui-là, j'aurais peut-être pas fait aussi proche. Ouais. Ah, j'aurais joué un de ces points-là, je pense. Zut, zut, zut. Mais bon, c'est comme ça. C'est des parties de 10 minutes, on peut pas tout lire. Ici aussi, peut-être que je dois jouer ça. Parce que là... Quand il sort, en fait...
On peut tout simplement venir ici, je pense. Je sais pas. Non, c'est pas fou. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire là? Quand il vient directement dedans. Tac, il vient là. Je protège, il sort. Ah, j'ai pas trop le choix. Hein. Pas trop le choix de faire ça, hein, j'ai l'impression. Je peux aussi faire ça. Pas très fan parce qu'il y a toujours un co. Il peut jouer un co qui est bien chiant. Donc là, on pousse là. Et ici, quand il connecte, c'est une erreur puisqu'il a fini goté. Je disais, il capture direct. On revient. Encore une fois, attention, si on fait celui-là, c'est accepter de faire le co peut-être. Donc, il capture, on revient. Et il a le senté. À la différence de la partie où il a connecté. Je reviens, mais du coup, il a trop peur que je sorte un moment et que ça sépare ses pierres. Donc, il capture. Mais je suis senté. Et là, je viens là tout de suite. Mais c'est un peu prématuré, je pense. Là, la partie est tranquille. Elle est... Je pense équilibrée. Donc... Je pense que c'est un peu trop agressif de faire ça. Je peux peut-être jouer sur ses faiblesses. En jouant un peu moins loin, comme je disais tout à l'heure. Et s'il renforce sa position, d'une manière ou d'une autre, là il est sûr d'être connecté. Nous on peut dire, oh, regarde, je vais faire pas mal de points ici. Ça aurait peut-être été plus intelligent. Sûrement. Écoute, j'ai vu une question. Salut Birache. Après S4, tu peux pas jouer Q7. Sans connecter en S5. Après S4. Ah si, très probablement. Bien vu, hein, parce que bah, je dis souvent aux gens de faire que c'est pas grave, le sacrifice d'une pierre, qu'il faut s'habituer, mais je le fais pas moi-même. Parce que là, même s'il prend la pierre, oui, c'est gros, hein, mais... Mince, pardon. En soi, je descends là, il peut pas aller là parce qu'on capture. Et s'il monte, on est tellement solide qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Non, c'est sûrement ça, t'as sûrement raison. Ok, il a un gros coin, mais il a pas cette force sur l'extérieur qui nous a bien embêté pour le développement des moyos, tout ça. Donc t'as très probablement raison. Hein. Ouais, bien vu. Bien vu, bien vu. Pourtant pas compliqué, mais je l'ai pas vu, ouais. Alors que souvent on dit en plus, le coup qui marche pour l'adversaire, il faut regarder. Peut-être que ça marche pour nous. Ouais, ouais, ouais. Zut. Zut, 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 parce que ça... On dit, hein, même si sa forme n'est pas idéale, on dit un Ponuki orienté vers le centre, ça vaut 30 points, on dit. Donc, costaud. Parce qu'en soi, ici, si à un moment il prend ça, je suis pas encore vivant ici, moi. Et s'il est fort partout sur l'extérieur, c'est compliqué. Donc ouais, ouais. C'était risqué tout ça. Et là, on va trop proche, du coup on se crée un autre groupe faible. Oh, ouais, j'ai été trop présomptueux. C'est dommage. Je me suis créé mes propres problèmes. Tac, tac, tac. Et ici, il a vécu, c'est assez triste. Le truc, c'est que je le pousse vers son groupe. Peut-être que je dois jouer là. Je vais peut-être sortir. Je sais pas. Parce que là on pourrait jouer ça. Et s'il continue à s'enlever comme ça, il y a quand même des petits problèmes, j'imagine. Rien que ça. Si voilà, je vais là. Et c'est assez compliqué à dire. Assez compliqué. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme choix? S'il va là, ben je vais là, et là c'est coupé, c'est sûr. Donc ouais, ici il devrait sortir comme ça, mais du coup on continue à encercler. J'aurais dû pousser vers mes pierres, et j'ai poussé vers les siennes, c'est pas très logique quand même. Ouais. En vrai ça je pouvais tuer je pense.
Il y a les moyens. Zut. Parce que je fais des forces, c'est bien, mais je les exploite pas. Et du coup, on a l'impression qu'à la fin du Fuseki, je suis bien, mais j'arrive pas à profiter de ce que je crée. Bon, ça, c'est à l'expérience, hein. J'imagine que je vais progresser sur ça, mais... Et c'est dommage, quand même. J'ai pas de nouveau, c'est dommage. Donc ici, voilà. Et on a vu, hein, là, les séquences-là, on a vu. Hein. Et après, je suis en retard, tout simplement. Voilà.